Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, sur France 3 Corse, via Stella, évidemment, pendant 20h. Et comme tous les vendredis, nous vous proposons un tour d'actualité de ce qui se passe en matière culturelle sur toute l'île. Les titres de votre 20h. En BD, nous évoquons la collection Made in Corsica, choisie par Marcel Petriccioli. Côté ciné, Green Room, de Jérémy Saunier, c'est Xavier Affre qui l'a programmé. C'est dire si ça va débattre. L'expo hors-jeu à l'espace Angelet-Chaolet, c'est jusqu'au 25 septembre. Et c'est Davina Samarchil qui l'a programmé justement. Accueillons mes esprits critiques du vendredi, Davina Samarchil, éditrice. Bonsoir Davina, c'est votre première. Bonsoir Philippe, c'est ma première. Pendant 20h. Ouais. Marcel Petriccioli et Xavier Affre. Bonsoir, vous le connaissez, Marcel libraire. Xavier. Il se suit à lui-même. Profession voilà. Xavier. C'est ça. Comment ça va? Ça va super. C'est bien, vendredi. Hein. Ah oui, surtout. On va commencer avec vous, mon cher Marcel. C'est de la BD, évidemment. La BD Made in Corsica, je l'ai dit, c'est un label. C'est le Corsica Comics, Corsica le label. Comics, oui. Et il y a deux BD, vous allez nous en parler. Oui, qui sont sorties toutes les deux cet été. Voilà. Hop. Petrouzan, Terra Zorbach. Alors, Petrouzan, moi, je ne sais pas, mais l'année dernière, il n'y a plus d'album et ça m'a manqué. C'est vrai, ça fait depuis 2005 de le dire. Ouais, c'est vrai. Que Petrouzan existe. Et puis l'année dernière, il a pris une petite année sabbatique. Ben, il revient, notre vieux sage corse revient, toujours plein de bon sens, toujours un regard un peu ironique, satirique sur notre société, sur notre île, sur nous, les Corses, sur la politique. C'est ça que j'aime bien dans cette BD, c'est que sous les travers de l'humour, il y a pas mal de messages que nous font passer des idées. Fred et Joa, c'est ça que j'aime beaucoup. Oui, Fred Federson. Oui. Alors c'est le réveil, moi je me demande ce titre, hein, le réveil du Prisout, évidemment. Bon, et alors les dessins, on va dire quelques mots sur les dessins également, c'est important. Dessin, oui, c'est important parce que c'est, on appelle ça du dessin semi-réaliste en fait. C'est-à-dire qu'à travers le dessin semi-réaliste, ça sert à faire ce que je disais tout à l'heure, ça sert à faire passer beaucoup, beaucoup de messages avec de l'humour. C'est très sérieux, mais avec l'humour, on grossit le trait. On grossit les expressions, on est presque à la limite de la caricature. Et grâce à ça, grâce à l'humour, on peut délivrer pas mal de messages, pas mal d'idées. C'est tout le principe de Petrouzan. Oui, c'est ça. Et c'est d'ailleurs pratiquement le principe de la collection, hein, oui. Des Corsica Comics, de manière générale. Et de la collection Made in Corsica, c'est piquer la société insulaire, se moquer également. Hein. Voilà, mais sans les clichés. Jamais sans les clichés. L'habitude. Et puis surtout. Et jamais, sans méchanceté en sans tout cas. Sans méchanceté. Et puis ce qu'il faut vraiment souligner, c'est que c'est des BD qui sont faites en Corse, par des Corses, ouais. Qui parlent de la Corse. C'est rare, d'habitude, ça vient du continent. C'est vrai. Et là, voilà, il faut vraiment le souligner, ils se battent depuis 2010 pour continuer à exister. Alors, il faut les soutenir, il faut acheter les BD des Made in Corsica. Alors il faut les soutenir, acheter les BD, mais est-ce que c'est bon pour vous, Davina, Xavier? Je vais laisser Davina. Ben, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que je reconnais l'école belge. Et c'est la BD qui me plaît. Donc oui, ça, je suis tout à fait pour. Et puis ce que disait Marcel, il a raison. C'est très dur à lire des BD sur les Corses, pas faites par des Corses et pas écrites pour des Corses. Ouais, et quand on les découvre, on a envie de prendre le livre et de le jeter très très loin. Donc oui, à la BD Made in Corsica. Ouais. Ouais, alors, il faut le découvrir également pour vous. Xavier? Ben moi, c'est pareil, là, pour une fois, vous voyez, c'est... Non, mais la semaine dernière aussi, vous étiez d'accord sur les ouvrages. Non, mais c'est pour ça, c'est étonnant. Il va falloir que nous débattions vraiment, oui, on va trouver. Non, moi, j'ai beaucoup de plaisir aussi à lire ces BD. Alors, j'aime beaucoup les noms des villages, là, en tout cas pour Petrouzan, Zigounaj, ça me fait évidemment rire de rire. Et puis, j'aime beaucoup aussi l'album Razorbach. Ah, c'est avec Gruy, parce qu'on en a moins parlé, mais c'est vrai qu'il y a aussi celui-là. Il y a Razorbach. Razorbach, c'est un gros carton des Corsica Comics. Ça plaît aux enfants, ça plaît beaucoup aux étrangers parce que les premiers, c'était des sketchs sur une planche, sans bulle, donc ça parle à tout le monde. Et c'est le sanglier le plus malchanceux du monde, quoi. À chaque planche, il meurt d'une façon complètement improbable, donc ça fait beaucoup rire. Et cette dernière est particulière parce que c'est une histoire complète. Et à travers Razorbach, Sorlin dénonce tout ce qui est pollution, environnement, réchauffement planétaire. C'est une première, il ne nous avait pas habitué à ça, il a voulu changer, c'est plutôt bien vu, très très bien. Vous le faites très bien le sanglier, je ne vais pas vous demander de le faire évidemment, mais vous le faites très bien. Oui, voilà. Et je crois que c'est, il me semble que c'est du financement participatif, non oui. J'avais, donc ça aussi c'est vraiment, je trouve que c'est, oui. Voilà, c'est bien d'acheter
ce genre de produit de BD, parce que du coup, on participe à quelque chose de concret, et je trouve que c'est une belle Sorlin, initiative. Et Sorlin, quelques mots sur Sorlin. Dessinateur et scénariste de Razorback, un dessin très simple, là aussi on est beaucoup dans la caricature, c'est pour ça que ça plaît énormément aux enfants, on lit Razorback, on comprend tout et on rigole. On est dans le cartoon, voilà. C'est le style cartoon. C'est le choix de Marcel Petritschol, découvrir les collections, toute la collection. Toute la collection, Il y a Gaspard, Nino. Nous en recevrons d'ailleurs quelques auteurs dans cette émission. Nous essaierons justement de temps en temps de faire venir dans l'émission du vendredi, cette émission d'Agenda Culturel, quelques auteurs, quelques dessinateurs, parce que la BD, on tisse un lien particulier avec la bande dessinée dans cette émission. Et nous allons poursuivre. Et là, est-ce que ça va trancher? Est-ce qu'on va sauter à la carottise de Xavier Affre? Côté ciné, Green Room de Jérémy Saulnier, c'est votre choix, votre conseil pour ce week-end? Oui, alors Alors, on n'est pas dans ce qu'on peut appeler un film jovial, mais vous le connaissez, voilà. Après la semaine dernière, les évaporations asiatiques, là, il fallait trouver quelque chose qui soit un peu à la hauteur. Et j'avais envie de parler un peu du travail de Jérémy Saulnier. Alors, comme son nom l'indique, il n'est pas français, hein. C'est un réalisateur américain, parce que, bon, Jérémy, beaucoup de gens pensent que, voilà, voilà, peut-être, effectivement, avec l'accent que je n'ai pas. Et alors, cette chambre verte, c'est assez épatant. Quand on lit l'histoire, on se dit, ça fait un peu peur, parce que si vous voulez, c'est un groupe de punks qui tombe dans une espèce de piège, dans une boîte, dans un club dirigé par des skinheads nazis. Donc on se dit, alors là, ça, on craint la bastonnade pendant 2 heures. Et pas du tout. C'est quelque chose qui est vraiment assez épatant. Déjà parce que c'est magnifique, sur le plan de la mise en scène. C'est quasiment à huis clos, donc ça reste dans le club. Alors, au niveau des acteurs, je le signale, parce qu'il y en a un, le pauvre qui est mort, qui est décédé, qui a eu un accident tragique, c'est Anthony Elchin, qui n'est plus là. Ouais. Et puis Patrick Stewart, qui est complètement inquiétant. Alors, on l'avait déjà vu, on en parlait avec Marcel en off, dans la série Breaking Bad. Et là, qui est assez étonnant, espèce de chef de, ouais, en chef de clan. Qui va absolument. Pas qu'il était dans la série que je n'ai pas vue. Si je dis très fort, Paul Luchin, notre réalisateur, pour le coup, va vraiment me sauter au cou parce qu'il adore cette série, mais je ne sais pas qu'il était dans la série Breaking Bad. Non, et puis alors vraiment, là, les acteurs, c'est un atout. La mise en scène, c'en est un autre. Alors justement, peut-être vous aviez vu le film précédent, Blue Ruin, avec tonalité bleue. Absolument pas. Là, Green Room, c'est la tonalité verte. Vert crade. Mais voilà, un vert crasseux. Alors, il ne faut pas s'attendre au vert pâturage de la petite maison dans la prairie. Là, avec le néo-nazi, normalement, on y arrive. Là, c'est pas plutôt très souvent. Voilà, plutôt la petite maison chez les nazis, bon, si je peux me permettre. Mais voilà. Pour le coup, voilà, c'est fait. Deux mots du vendredi. C'est fait, c'est cadeau. Il faudra mettre des pièces à chaque fois que Marcel se met pour à la fin essayer de faire quelque chose. Quand Marcel fait des jeux de mots aussi pourris. Voilà, et non, puis la bande son est assez étonnante. On entend des titres des Dead Kennedy, par exemple. Alors il y en a un. Si j'ai bien. Dead Kennedy est génial. Si j'ai Nazi Punks, fuck off. Bon, évidemment, c'est tout un programme. Donc voilà, c'est un film qui était fait pour me plaire, qui m'a plu. Bizarrement. Non, parce qu'en même temps, attention, je dis, il n'y a pas de bastonnade pendant 2 heures. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des éclats de violence, mais violence, avec des chiens, avec des lames, de rasoirs, de couteaux. Mais ça prend le temps. C'est ce qui manque peut-être. Ouais, peut-être, mais. Le film. Le propos n'est pas assez crade et brutal par rapport à son propos. C'est violent, peut-être punk, mais il n'y a pas cette punk. Brutalité. Ouais. C'est peut-être ce que je reproche au film. Sinon, j'ai bien aimé, mais il manque quelque chose. C'est comme la tension, elle monte et monte, et puis d'un coup ça redescend. On s'attend à ce que ça explose, et ça redescend. Mais parce qu'on se dit on va aller vers un teen movie traditionnel, et puis finalement on arrive à un survival. Voilà, on est dans un film de genre. Fait plus penser à Saut de Carpenter qu'autre chose. Voilà, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est pas. Je m'attendais vraiment à les gentils et méchants, et j'avais du mal avec cette idée-là des méchants nazis et du groupe punk, enfin Ardos, quoi, plutôt, d'ailleurs. Et non, c'est pas binaire comme truc. C'est-à-dire que c'est pas non plus une éloge de la violence. Enfin, je sais pas, moi je l'ai vu comme ça. Exactement. C'est une éloge plutôt de la survie. Oui, et c'est là où ça m'a bien plu et j'ai trouvé du coup l'intérêt dans ce film parce que, alors moi, contrairement à toi, c'est pas du tout mes images normalement. C'est pas, j'aime beaucoup le huis clos, mais pas quand il se présente comme ça. T'aimes pas les images crades. Non, non, mais même la photographie ne m'a pas spécialement plu. Oui. Bon, l'autre film avec les tonalités de bleu et l'autre les tonalités de vert, je trouve ça un peu grossier de le dire à chaque fois dans les titres. Enfin voilà, ça manque un peu de. Ah, peut-être le Green Room, c'est une autre référence. Hein. Parce que c'est une salle de réception de la Maison Blanche. Blanche.
Peut-être que c'est ouais, de ce côté la référence. Je sais pas, le prochain sera quoi? Le prochain, c'est Red. Ouais. Ouais. Yellow. Donc, du coup, facile, voilà, du coup, ça manque un peu de subtilité. Mais non, le scénario est plus subtil que ça. C'est pas les méchants nazis contre les gentils musiciens. C'est plus intéressant. Bon, j'ai pas. Je le recommande, je ne le re-regarderai pas ce week-end. Mais non, non, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose à sauver. Okay. Et ouais, je suis contente de l'avoir vu. Bon, finalement. Petit côté contemplatif. Enfin, c'est étonnant. Il n'y a pas de côté contemplatif. Non, 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 moi, je trouve, un petit côté. Il y a des passages, justement, on se dit, il va se passer quelque chose, il ne se passe rien. Oui, mais c'est du suspense alors, ça. C'est pas trop d'attente. Je trouve qu'il y a des passages. Le début, par exemple, on prend le temps de bien connaître, enfin, une scène ou deux, ce groupe-là qui semble un peu pas paumé. Il y a quelque chose. C'est normal, ça, c'est une nuit en enfer aussi. On prend le temps de connaître les personnages et après ça explose de tous les côtés. Oui, mais Une nuit en enfer était ratée. Là, c'est réussi. Voyez. Ça n'engage que toi, mon cher Xavier. Alors, vous le conseillez ou pas pour le week-end? Allez, Marcel, Petrichol. 8. 8. Ben voilà, on est allé avec Marcel, allez, sur 10. 9. Ah, quand même, 8. Ouais. Et moi, je mettrais 9 aussi. 9. Donc, conseillez ce week-end de regarder ce film-là, Green Room, de Jeremy Saulnier. Jeremy Saulnier. Un court-métrage. Oui, un court-métrage corse. C'est important, on va essayer, hein, d'ailleurs, tous les vendredis, de parler de court-métrage de réalisateurs insulaires. L'homme au diastrada de David Lucchini. Oui, alors, ça fait longtemps qu'on en parle, on avait même envie de le recevoir, donc on lui lance un petit coucou. Parce que c'est un cinéma que moi j'ai découvert avec Terre-Terre. C'est un film qui était un film de banlieue, policier, avec des acteurs locaux, Gré Orsatel, voilà, avec aussi Ange Basterga. Et il y avait aussi Thierry Neuvik, d'ailleurs, dedans. Et là, il changeait totalement de registre pour faire un film qui est, alors là, pour le coup, très contemplatif, avec très peu de dialogue, il faut bien le dire. Mais en suivant, vous savez, cet homme qui marche, donc c'est tiré d'une histoire vraie, c'est cet homme qui marche depuis pas mal d'années en Corse, hein, qu'on arrive à croiser de temps en temps comme ça, quand on fait un peu de montagne ou de randonnée. Et là, il y a vraiment... le réalisateur arrive à faire passer quelque chose d'extrêmement personnel, en parlant du deuil, de la mort, plein de choses, plein de thématiques, sur un temps très court. Et on est vraiment touché. Moi, j'ai été très touché par ce court-métrage qui ne dit pas grand-chose. C'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi il est là, on ne sait pas vers quoi il va, s'il va rentrer chez lui, on n'en sait rien. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très touchant. Donc vraiment, vous voyez que... Et puis sans compter de la photo qui est très belle. Hein. Alors moi, j'ai les premiers instants, j'ai d'abord cru que c'était comme un drame, qu'on était dans le social. Puisqu'on suit un homme... On pense que c'est un SDF. Voilà, on pense que c'est un SDF, on pense qu'on est dans un drame social. La photo est complètement dans le social et elle est très belle, c'est une très belle photo. On comprend très facilement qu'on tombe dans un drame personnel, un drame familial. Ça, c'est très bien amené. J'ai bien aimé le petit passage où on comprend, il sort un livre d'Ernest Hemingway, et on comprend donc que cet homme est sûrement un érudit, ou du moins quelqu'un qui aime la littérature. Et même ça, ça ne lui fait plus aucun effet, parce qu'il s'en sert pour caler sa chaise. Donc même la littérature ne l'intéresse plus. On sent qu'il est complètement dépourvu de tout ce qui pouvait lui plaire dans sa vie. Et il marche vers... on a l'impression qu'il n'a pas de but. La fin nous ouvre deux possibilités. Non, j'ai trouvé ça très court et très bien posé, avec très peu d'éléments. On est dans la contemplation totale. Et non, un joli moment. Franchement, c'était cool. Ouais. Ouais. Il y a un côté littérature de la contre-culture, hein, dans ce film. Il y a la déshérence de quelqu'un. Ça fait penser... Alors, toute proportion gardée, évidemment, mais forcément, on pense à Kerouac, à toutes ces choses-là. En tout cas, on a le sentiment que le réalisateur s'inscrit. Exactement. Il aurait pu mettre le livre de Kerouac. Hein. Moi, je pense que s'il a mis Hemingway, c'est parce que c'est le père des auteurs. Oui. Enfin, ils le disent comme ça. Oui, du coup, c'est vraiment l'auteur de l'auteur. Mais en plus, Davina, tu as pointé juste, parce que quand on lit les dossiers de presse et quand on lit un peu des éléments sur le tournage, etc., l'un des modèles, alors pas tout à fait pour ce film, mais un peu quand même, de David Lucchini, c'est les frères Dardenne. Ah ben voilà. Donc, et ce côté filmé très proche. Sache, mon cher Xavier, que je pointe souvent juste. Oui, bien sûr. Oh, c'est pas toujours le cas de tout le monde. Mais... Oui, le côté film de la réalité quotidienne, presque. Ce qu'adore Marcel. Ce que j'allais dire. Les frères Dardenne, c'est... Pratiquement, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit sur ce film. Ce soir, où il arrive à faire passer. Mais seulement, encore une fois, il n'y a que ça à filmer, à montrer. On ne sait pas rire en Corse. Ça vous a ennuyé? Non, franchement, ça ne m'a pas ennuyé. Pour rire, il y a les BD, Made in Corse. Mais voilà. J'ai l'impression que quand on veut faire un premier film ou quoi, il faut que ce soit du pathos. Ouais. Il n'y a pas que ça. Et oui, c'est vrai.
C'est vrai, c'est-à-dire. Est-ce que c'est plus facile à faire? Je sais pas. Je pense qu'on a envie de gagner. On a l'impression de gagner en crédibilité quand on rentre plus dans le sentiment et dans le profond, alors que c'est tout aussi dur et tout c'est aussi noble de faire rire. Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, là, c'est peut-être lié à un projet, mais c'est vrai. Mais c'est peut-être lié à un projet personnel. C'est pas une attaque contre le film. Hein. Non, c'est sûr. C'est votre ressenti. Et puis voilà, c'est oui. Par contre, je suis vraiment content parce que Marcel aime. Donc, quand on parle de Frères Dardenne en référence, je vois que il ne dit rien. Il ne faut pas pousser. Et puis surtout, je vois que le court métrage est devenu le court métrage de chevet de notre réalisateur, donc c'est parfait. Oui, c'est vrai. C'est... Voilà. Juste, il en regarde au moins 10 fois en boucle depuis que je l'ai montré. Xavier, quelques mots, encore une fois, sur la mise en scène. C'est important. C'est son second film. Honnêtement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même, dès le second film, une certaine maîtrise. Hein. Ben c'est assez étonnant. Alors c'est vrai que je l'avais vu des extraits, moi, parce qu'il avait été diffusé dans des festivals et j'en avais eu la chance de voir en petits morceaux sur grand écran, ce qui donne encore plus d'impression là, sur la mise en scène. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose. Hein. Il y a beaucoup de réalisateurs, de metteurs en scène corse, là, sur les courts-métrages, qui vraiment, il y a beaucoup d'idées de cinéma. Je trouve que c'est ça qui est beau. Alors on n'aime pas les courts-métrages, on peut en discuter, mais c'est vrai qu'il y a vraiment du talent. Quoi. Donc c'est vrai que ça fait plaisir d'en parler, de le mettre en avant, franchement. On fera une émission d'ailleurs sur les courts-métrages, sur l'identité des réalisateurs de courts-métrages. Est-ce qu'il y a spécifiquement un cinéma insulaire ou pas? C'est intéressant à en débattre. On peut le voir dans les festivals, évidemment. Il va continuer à tourner ce film. Oui, puis de toute façon, on peut se rapprocher, parce que c'est pile ou face la production. On peut se rapprocher, on peut le voir assez facilement. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, l'un de nos réalisateurs, François Carole, a aussi réalisé un court-métrage, mais petite surprise, dans quelques temps. Oui, on va en parler. Voilà. Et d'ailleurs, il n'a pas plu à tout le monde. Enfin, voilà, ça s'est fait. C'est original et drôle, je crois, pour faire plaisir à Marcel. C'est vrai. Décalé. On va passer côté expo avec vous, Davina Saint-Marchil. Hors-jeu, l'exposition Hors-jeu, c'est votre choix et votre conseil pour les téléspectateurs. Alors, ça se passe où? Ça se trouve ça où se et passe... de quoi ça parle? Ça se passe au Centre d'art contemporain d'Angelette à Aulette jusqu'au 25 septembre. C'est ça. Alors, c'est une exposition sur le football. C'est l'art contemporain et le football qui peut être un mariage un petit peu étonnant. Mais vous allez voir qu'il se marie parfaitement. C'est un excellent moment. Alors, c'est une exposition qui nous est proposée par deux curateurs. Thibaut Capéran, programmateur au MACVAL, Musée d'art contemporain, consacré à la scène française, et par Fabien Danaise, historien de l'art, maître de conférences et directeur au laboratoire de création du Palais de Tokyo, et accessoirement, les deux de vous, Annie. Donc, c'est pas caché sur un CV. Donc, c'est une expo sur le foot. Okay. Amoureux de Bord, enfin, grand passionné de Guy Debord, d'ailleurs. Il a écrit un chouette livre dessus. C'est une expo sur le foot, mais en faisant un pas de côté. C'est-à-dire, c'est pas une expo où vous allez voir une ribambelle de coupe remportée de je ne sais quel championnat. Il n'y a pas de sextape de aucun joueur de l'équipe de France. Je suis désolée. Bah oui, il n'y en a pas. Non, on a demandé à des artistes contemporains d'expliquer comment eux voyaient le foot. Alors, avant de commencer la visite de cette exposition, il faut quand même parler de cet centre d'art. Oui, c'est vrai, c'est bien. Centre d'art contemporain d'Angelette à Aulette, qui a été inauguré l'année dernière. Donc c'est vraiment, c'est une vieille maison de village avec des murs épais, en plein dans Aulette. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller visiter Aulette, mais si vous n'avez pas l'habitude, je peux le dire, ce n'est pas mon village, c'est magnifique, enfin, c'est vraiment un très joli village. Et donc on a des petites pièces comme ça, typiques des maisons de village, des escaliers étroits, et on ajoute à ça une œuvre d'art contemporain. Donc là aussi, il y a un choc des cultures qui donne tout son... tous les sens même de l'expo, quoi. Et notamment, donc là maintenant, on peut commencer à parler de l'expo hors-jeu dans cet centre d'art contemporain. On rentre et on voit de suite une œuvre de Stéphane Dean, Una Volta, qui pourrait s'appeler aussi Una Volta ou Comment une foule en délire devient un tableau qui bouge. Alors quand on regarde la vidéo et au bout de 2 minutes, on a l'impression d'avoir, on oublie que c'est une foule d'êtres humains, on a l'impression de voir une matière qui bouge devant nous. C'est très joli, j'ai beaucoup aimé cette pièce. Dans la pièce à côté, on nous propose un film d'Happy Chapong. Voilà. C'est le grand intérêt de l'expo. Ça sera possible. Vous savez, on revient toujours. Xavier Affre est toujours dans la. Ça, c'est. Merci. Voilà. Mais il est partout. Vous voyez, même le réalisateur, l'un de vos réalisateurs. Un des plus grands réalisateurs. Qui avait eu la Palme d'Or à Cannes en 2010 avec. Oncle Bonnemi.
Bon. Ah, celui, oui. Fumisterie, il faut le dire. Voilà, on voit une vidéo avec des enfants, la nuit, des enfants qui jouent au foot avec un ballon en flammes. Du coup, on entend des rires d'enfants avec, au risque de se brûler. Mmh. C'est très touchant, c'est très beau. C'est vraiment une réussite. Oui. Les réalisateurs thaïlandais peuvent toucher. Souvent, n'est-ce pas? Moi, je suis toujours bouleversé. Ouais, non, mais c'est moi aussi, j'aime beaucoup Apichapong. Oui, Razetaku. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, à l'étage, là, on arrive dans la pièce principale avec une œuvre d'Angeletch dans un angle. Il y a deux écrans et une multitude d'écrans dans les écrans où on voit des explosions, des échos en reflet, des terrains de foot. Et si vous voulez, c'est là où l'art contemporain prend tout son sens. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'interaction avec le spectateur. C'est-à-dire que le spectateur doit faire un effort pour regarder. Ouais, c'est-à-dire, il faut, c'est exigeant. C'est exigeant. Et surtout, on ne peut pas regarder comme on regarde un tableau. Il faut regarder à droite, à gauche, regarder en bas, à droite. Et c'est aussi ça l'art contemporain, quand il y a une interaction. En face, on voit une expo de Laurent, une œuvre de Laurent Grasso, dont on a parlé la semaine dernière, pendant le 20h. Parce qu'il y a une super expo de Laurent Grasso. Là aussi, il y a une œuvre qui est super. À côté, on va trouver le film Four de sa Bastille, le fameux film de Jacques Tati. Alors, on s'éloigne un peu d'art contemporain, je pense que Xavier sera plus content comme ça. Non, deuxième grand intérêt de l'expo. Alors, on s'éloigne un peu de l'art contemporain, mais bon, en même temps, quelle équipe de France peut se targuer d'avoir un film par le maître Jacques Tati ? Il n'y en a pas. On rappelle que Force à Bastille, c'est le film de la finale de la Coupe d'Europe de 78, Bastia contre PSV Eindhoven. Et Jacques Tati était venu pour faire des images. Et à la fin, alors moi, il y a mon petit préféré, c'est une œuvre de Jean-Philippe Toussaint. C'est Arte qui lui avait commandé. Très, très bon écrivain, Jean-Philippe Toussaint. C'est Arte qui lui avait commandé. D'ailleurs, son dernier roman, paru en 2015, s'appelle Football, donc il fallait qu'il soit là. Arte lui a commandé l'histoire du football et il a livré. Trois mini documentaires sur le football. On rencontre Queen, on rencontre The Cure, on rencontre la reine Elisabeth. On apprend que le foot est né la même année que la mort de Delacroix. Ça épouse le cours du temps, le football. C'est aussi acte civilisationnel. Enfin, c'est pour le mot pompeux. C'est un phénomène de culture. Ouais, quoi. Et c'est pour ça que l'art contemporain a toute sa place, parce que dès qu'il y a des hommes et dès qu'il y a de la culture, l'art a sa place. Vive l'art contemporain. Grâce à Tati et à Toussaint, vous évitez le carton rouge. Et à Pichapong. Mais surtout, je ne l'ai pas cité. Oui, mais voilà. Ah, il y a des prolongations de cette expo chez Oring à Patrimoine. C'est une autre équipe d'artistes contemporains qui vous donne leur vision du foot à eux, qui est à voir aussi. C'est fortement recommandé par vous, Davina. Fortement. On va terminer avec quelques coups de cœur, dont le vôtre. Alors, c'est un coup de cœur qui me fait énormément plaisir. Dernier feu sur Sunset de Stewart Onan, sous l'édition de l'Olivier. C'est un roman biographique. En fait, on est en 1937 et pendant 3 ans, on va suivre les 3 dernières années de la vie d'un immense, immense écrivain dont la femme est internée. Dont la fille vit loin de lui. Cet écrivain, c'est Francis Scott Fitzgerald. Bien sûr, c'est un livre absolument touchant, bouleversant. Un Fitzgerald pathétique, complètement ruiné, qui est obligé de s'exiler à Hollywood pour travailler pour la MGM comme scénariste, alors qu'il déteste Hollywood, il déteste Las Vegas, Los Angeles, il ne supporte pas. Vraiment, et surtout le sentiment de ce bouquin qui est super bien écrit, un style précis, très très mélancolique, c'est le sentiment de gâchis. Quand on lit ce bouquin, il est mort à 44 ans, on se dit, putain, qu'est-ce qu'il aurait pu encore écrire. C'est ça, c'est un super livre, critique très très féroce du Hollywood aussi, puis on croise plein de gens célèbres, hein, puisqu'il va y avoir Bogart et compagnie qui sont là, on croise beaucoup beaucoup d'alcool aussi. Mais voilà, je pense, ça va faire plaisir à Xavier, que ça sera très très vite adapté au cinéma. Non, et en plus, ce qui est intéressant avec cet ouvrage, c'est qu'il montre aussi que Fitzgerald,
maintenant on le sait, mais au moment de la sortie notamment de Gatsby, on disait souvent que c'était un écrivain de champagne, un écrivain de soirée, très mondain. Pas du tout. En fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est les strates de la société américaine, il les connaît par cœur, il arrive à comme ça bouleverser le lecteur en emportant tout de suite. Il a un style inimitable, Fitzgerald. Enfin, certains ont essayé de l'imiter comme Beck BD, tout ça, mais c'est pas possible. Quoi. Je veux dire, il faut lire Fitzgerald, hein, et il faut lire surtout Gatsby le Magnifique. Et on peut faire un parallèle entre Gatsby et la vie de Fitzgerald, exactement, qui a connu aussi le face la gloire et qui est retombé, qui a fini ruiné. Hein. Exactement. Non, Gatsby qui rend pas trop honneur, en tout cas au cinéma, au roman de Fitzgerald. Non, c'est vrai, les deux. Ah, c'est avec Leonardo là. Les deux, en fait. Même le premier, même le bizarre. Il faut lire tout simplement Gatsby. Je pense que... Il faut lire. Voilà. Gatsby le Magnifique. Et donc le livre, c'est votre grand coup de cœur. On va rappeler le titre. Les derniers feux sur Sunset. L'édition de l'Olivier. Très bonne maison d'édition. Maison d'édition, les éditions de l'Olivier. Ça, c'est toujours le cas pour toutes les éditions qu'il présente. Je précise parce que. Vous avez. Chaque fois, c'est toujours. Que, oui, contre les excellentes éditions. À toi, je présente que des excellentes choses, mon cher Xavier. Les auditeurs. Merci beaucoup, les amis, pour ces conseils pour ce week-end et au-delà, hein, ce week-end, de vendredi 16 jusqu'à vendredi 23. C'est bien. Avec je dis Trianomina, comme ça, voilà, ce sera rien à voir. Vendredi 23, il y aura. Avec nous, Alexandra Rose, c'est ça? Oui. Elle sera avec nous. Merci beaucoup, les amis. Davina, merci. Marcel, merci. Philippe. Xavier, merci. On se voit très vite, évidemment. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à lundi pour un pendant le 20h plus traditionnel où on va débattre de questions de société avec des invités forts en personnalité.